de celui qui se lève le premier et me dit amen. Dans la saison qui est en train de venir, que Dieu te donne à agir au-delà de l'action humaine. Tu n'as pas dit amen, on dirait que tu ne veux pas cela. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne à agir au-delà de l'action humaine. Tu s'élèveras 10 hommes pour parler, mais quand toi tu seras en train de parler, concentre en toi la sagesse divine. Oh, est-ce que je vais parler à des politiciens? Que Dieu élève des frères et des sœurs dans la politique, que lorsqu'ils sont en train de donner des idées, concentre en eux la sagesse divine. Alléluia. Est-ce que c'est pourquoi j'aimerais, avant de commencer, tu vas t'acclamer toi-même. Parce qu'en toi, tu portes les habiletés de Dieu. Depuis le jour où tu as reçu la parole, tu portes en toi les habiletés. Oh mon Dieu, tu portes en toi les habiletés de Dieu. Je suis très têtu dans la vie. J'ai dit aux gens, ma destinée est entre les mains de Dieu. Parce que je sais qu'en moi, j'ai les habiletés de Dieu, Josué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu et s'acclamer lui-même? Tu as tenu jusqu'à ce moment, j'ai appris que les habiletés de Dieu dans ta vie commencent encore à se manifester. Oh my God. Je sens qu'on va, ça sera chaud ce matin. Alléluia. Dis avec moi la saison des disqualifiés. Dis avec moi la saison des disqualifiés. Est-ce que quelqu'un me permet d'avancer? La saison des disqualifiés. La saison de ceux qui autrefois étaient disqualifiés, mais maintenant c'est leur saison. Si nous parlons de la saison des disqualifiés, ça veut dire que nous allons aussi parler de la saison de la disqualification. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une saison de ceux qui étaient, il y a une saison de la disqualification, mais ensuite vient la saison de ceux qui étaient disqualifiés, mais qui doivent maintenant apparaître. La saison des disqualifiés veut autrement dire la saison de réqualification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que l'esprit me conduit entièrement. La saison des disqualifiés veut aussi dire la saison de réqualification. Mais il y a un principe que j'aime dans la Bible. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Il y a un principe que j'aime dans la Bible. C'est que la Bible nous enseigne que les saisons se succèdent, n'est-ce pas? Les saisons se succèdent, n'est-ce pas? Prêchez avec moi s'il te plaît. Les saisons se succèdent, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, nous nous rendons compte que parfois les saisons qui précèdent ont tendance à donner des bénéfices à des saisons qui viennent après. Alléluia. Exemple, la saison, lorsque la Bible parle de l'été et de la moisson, c'est-à-dire que celui qui n'a pas profité suffisamment de l'été, pendant la moisson, il n'aura rien. Alléluia. Ça veut dire que pendant la saison de l'été, l'homme doit profiter de telle sorte que, à la saison de la moisson, qu'il soit capable de retrouver quelque chose. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les saisons sont importantes dans la vie. Même la saison où tu as été disqualifié, c'était une saison importante dans la vie. Je parle à quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un, même la saison où tu as été disqualifié, Dieu avait certainement un projet que tu ne connaissais pas. C'est pourquoi David n'a jamais compris pourquoi il avait été disqualifié de la famille. C'est parce que Dieu voulait enseigner un voyant guerrier dans la brousse. J'ai envie de dire à quelqu'un, alors que les hommes t'ont disqualifié, Dieu était en train de te former pour te requalifier. J'ai dit, alors que les hommes t'ont disqualifié, Dieu était en train de te former pour te requalifier. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je vais aborder la saison des disqualifiés. La disqualification dans un aspect un peu injuste. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez, avec la disqualification, c'est qu'il y a des moments où c'est juste que tu sois disqualifié. Des personnes comme Saoul a été disqualifié. Il a été disqualifié pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu aux exigences du devoir. Alors que lui demandait de faire autre chose, lui il faisait autre chose. Et Dieu lui a disqualifié. Ce n'est pas de cette disqualification que je vais parler. Mais je vais parler de la disqualification comme celui de Jephthé. La disqualification par on dit quoi les mots? Oh, ça m'échappe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Il y a un peu plus français comme on dit. Alléluia. Il y a des disqualifications qui sont liées à la discrimination. Alléluia. Il y a des disqualifications. On t'a disqualifié, non pas parce que tu n'étais pas à la hauteur, mais c'est que tu étais parce qu'on a discriminé. Ils ont regardé. Ils ont dit que lui, il n'est pas notre frère. C'est le fils d'une femme prostituée. Il ne peut pas hériter avec nous. Des personnes comme David, ils ont été disqualifiés, pas parce qu'il n'était pas beau. Il était d'ailleurs beau.
il était d'ailleurs beau, belle de figure et de taille, mais il était mis à l'écart avec la famille. C'est moi parce que les hommes ont discriminé, les hommes ont regardé, ils ont dit qu'il ne peut pas hériter avec nous. J'ai envie de dire à quelqu'un, les hommes t'ont mis à l'écart à cause de choses que tu ne pouvais pas gérer. Yom to sien obota ma mulu bate, yom to sien obota ma mwindute, mais yom to sien obota ma famille wanate. Mais les hommes ont regardé et t'ont mis à côté. J'ai envie de dire à quelqu'un, la saison est en train de venir où Dieu va te requalifier. Oh, j'ai dit la saison est en train de venir où Dieu va te requalifier. J'ai dit la saison est en train de venir où Dieu va te requalifier. Et ce que j'aime Josué, c'est que la Bible déclare qu'ils ont mis à l'écart. Dis avec moi, ils ont mis David à l'écart. Dis avec moi, ils ont mis David à l'écart. Mais remarquez une chose avec moi, c'est que la personne qu'ils ont mis à l'écart, c'est leur frère. Dis avec moi, leur frère. C'est que la personne qu'ils ont mis à l'écart, c'est leur frère. Mais la personne que Dieu a requalifiée, c'est un roi. J'ai envie de dire à quelqu'un, étant disqualifié comme étant un frère, mais Dieu sera en train de te qualifier comme étant un roi. Celui qui me donne un amen en élevant sa main droite, que Dieu commence à te requalifier, que Dieu commence à te positionner. Ils ont mis Jephthé à l'écart comme étant un frère, mais Dieu a qualifié un chef. Je suis en train de prier et de prophétiser que Dieu te requalifie encore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la chose que j'aime, Josué, c'est quoi? C'est que j'aime la stratégie de Dieu, la stratégie que Dieu utilise. Et c'est ici mon message. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas ça. J'aime la stratégie que Dieu utilise en fait de requalifier ce dont les hommes ont disqualifié. J'aime la méthode de Dieu, la méthode que Dieu utilise en fait de requalifier ce dont les hommes ont disqualifié. Demande-moi c'est quelle méthode? Demande-moi c'est quoi la méthode? Est-ce que je peux l'annoncer à quelqu'un? Je suis la méthode que Dieu utilise pour requalifier ce dont les hommes ont requalifié. Cette méthode s'appelle le potentiel. Dis avec moi le potentiel. Oh, dis avec moi le potentiel. Cette méthode s'appelle le potentiel. Lorsque les hommes te disqualifient, la méthode de Dieu pour te requalifier, c'est de te donner un potentiel, une habilité qui te donnera des résultats au-delà de l'action humaine. C'est pourquoi j'ai prié pour quelqu'un ce soir, que ce matin, que Dieu te donne une habilité au-delà de l'action humaine, que Dieu te donne une capacité de réflexion, d'action, au-delà de l'action humaine. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce matin, après ce moment de prière, dans nos domaines, nous serons en train d'impacter parce que Dieu nous donnera des habilités au-delà de l'action humaine. Il nous donnera des habilités. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, où tu sais dans ta vie, ne te pose jamais la question de d'où viendra l'opportunité, mais pose-toi la question de comment améliorer ton potentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te pose pas la question de savoir d'où viendra l'opportunité, mais pose-toi plutôt la question de savoir comment je ferai pour améliorer mon potentiel. Parce que la Bible déclare, tu connais un homme qui est habile dans son ouvrage, tu le trouveras dans les services du roi. Proverbe déclare, tu connais un homme qui est habile dans son ouvrage, tu le trouveras dans les services du roi. Comme pour dire que lorsque quelqu'un développe son potentiel, les services du roi le recherchent. J'ai envie de dire à quelqu'un dans cette saison, les services du roi vont te rechercher. Celui qui développe son potentiel, il est en train d'engager Dieu, l'entité suprême qui gouverne l'état et les circonstances des hommes, à lui attirer des opportunités. Je recommence. Je dis ceci, quand quelqu'un commence à améliorer ses potentiels, il est en train d'engager Dieu, l'entité suprême qui gouverne l'état et les circonstances des hommes, à lui attirer des opportunités. Alors que tu seras en train de développer ton potentiel, Dieu sera en train de t'attirer des opportunités. Celui qui me dit un amen bien, que le ciel commence à t'attirer des opportunités. Que le ciel commence à t'attirer des opportunités. Lorsque Dieu te requalifie par le potentiel, remarque qu'est-ce qui se passe. C'est que si tu étais disqualifié,